Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. For the Memphis Grizzlies, going all the way. So the torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. From Rock Kingport, a couple of years ago, here against the Knicks, as James lines it up for three, and does it again. Thompson on the hop, Curry wide open for three. Yes. He can knock that one. It's another leg to sail. Maybe the best ball handler in the league. Russell Westbrook. And he's maybe 1% at the foul of his quarters. The other side. Wade has a second bubble. Oh, the tip was missed by Little, kept it out by Oui, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, salut. Ça commence bien. Oui, ça va, j'étais un peu fatigué. On a profité des jours fériés pour faire un peu de sport. Le corps ne répond plus. Merci, ça fait plaisir. Oui. Salut à tout le monde sur le plateau. Toujours petit gamin d'Amala qui est toujours là, ça bouge partout là. Salut à Romain qui est nouveau sur le plateau, hein. C'est amusant, l'équipe de toujours. On est là, il y a la forme, ça peut être à prendre un steak en passant à la radio live aussi en même temps, donc ça va. Oui. Oui, bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs. Et on a la forme, bien évidemment, les Celtics gagnent. Hein. Ah ça, les Celtics gagnent. Non, on voit ton vrai comme ici. En tout cas. Comme on dit, on ne change pas le choisi, hein. Ah, ça, la choisi, c'est la choisi. Allez, on enchaîne avec la présentation. J'avais quelques petits soucis avec mes réglages, là, mais c'est bon. Je crois qu'on m'entend bien pour sur le direct. Et là, j'avais quelques doutes tout à l'heure, mais là, c'est bon. Allez, on va terminer avec la présentation. On va aller du côté de... Voilà, cette fois, du côté 237, là où je me trouve, avec notre fidèle auditeur, mon un de mes plus proches amis, Romain, sur le parquet de la radio. Bienvenue, Romain. Salut Oncle Phil, salut tout le monde. Salut. J'étais déjà là une fois. Ouais. Donc je suis plus tout à fait bleu. On
t'a pas, Romain, je m'attendais pas à ce que tu sois dispo pour ce soir. Hein. On t'a pas bousculé là avec l'appel là, En fait, je foutais rien. Hein. Moi, j'ai vu l'appel qui vous avez lancé. J'ai dit, allons-y voir. Tu as décroché. Okay, bon. Ok, super. En tout cas, ça nous fait extrêmement plaisir que tu sois là. Voilà, on est déjà 5 sur le parquet. 5 sur le parquet, c'est déjà bon. Pour les remplaçants, ils vont se faire poser leurs fesses sur le banc. On va enchaîner avec la suite du talk show avec Missy qui va enchaîner avec sa pensée du soir. Oui. Et moi avec les big up. C'est dans moins d'une minute, on va lancer quelques préalables. Restez bien connectés, à tout de suite. Off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? Avec l'énergie, je sais pas. Allez les amis, on va attaquer le sujet de ce talk show, de Big N Show, on a sur le parquet de la radio. Comme on en a l'habitude, on va enchaîner avec quelques big ups. On va faire d'abord une passe à Missy, qui va nous enchaîner avec quelques léops pour s'échauffer, comme on en a le secret. Alors Missy, à qui tu penses en ce début de talk show? Alors, ma petite pensée, c'est pour remercier tout le forum, le Radio Fame. sur quelque chose que j'ai posté. Ouais. Voilà. Après le match de Toronto, où d'ailleurs Pascal Siakam a été très bon. Ouais, donc j'ai mis un long, il était vraiment long, un long post sur le moment historique pour le basket camerounais. On l'a vu ça, oui. Très très bon post d'ailleurs. Voilà, c'est un moment de joie. Ouais. Inoubliable que j'ai eu, donc j'ai voulu partager ça. Ouais. Alors, il y a un petit son là. Vas-y, s'il te plaît. Il y a un énorme travail qui est fait au pays. Pour appeler le basket camerounais toujours un peu plus haut. Mais si ces trois gamins sont allés aussi loin, il faut aussi, dans ces choses-là, sur les parents, accepter de se séparer de son enfant qui vit loin. Quand il y a le blues, vous avez envie de rentrer, et puis vous êtes aux parents. Ouais, effectivement. Ouais. Alors, je ne sais pas si... Au niveau de votre environnement, il n'y a pas une fenêtre ouverte avec une vue sur la route, quelque chose comme ça, parce qu'on entend du bruit. Je ne sais pas si l'un de vous peut vérifier. C'est peut-être chez moi. Tu dois avoir chaud peut-être. Non, en fait, la fenêtre est fermée, c'est juste que je suis extrêmement près de la route. Ah, donc, d'accord. Je voulais qu'on peut
Oui. Vas-y alors, parce que ça ressort dans le direct. Comme ça, on va pouvoir enchaîner. Donc voilà, Missy, on enchaîne. Hein. Missy, donc voilà, Missy, pour ta pensée du soir. Donc pour cette longue pensée que tu fais pour ce moment du soir pour les Camerounais. Voilà, pour les fans, pour les membres du groupe Radio Hall of Fame Basket sur Facebook qui ont réagi à ton post. Oui. Au moins. Mm-hmm. Et il y a eu des commentaires, voilà. Voilà. Merci. Voilà. En tout cas, c'était très très plaisant. N'hésite pas, hein, des posts comme ça, il faudrait que tu vises, comme on dit, hein, dans le jargon camerounais. De temps en temps, tu nous produis une petite réflexion comme ça, ça. J'ai également écouté Donovan Mitchell aussi, bon, ouais. Le temps ça m'arrive. En tout cas, ça m'a fait très très plaisir de lire ça, je suis sûr que ceux qui t'écoutent tout à l'heure ont fait très très plaisir. Alors on continue avec la suite des Big Up, les amis et messieurs. On est dans la partie Big Up de Twitter NBA Show. On va commencer, alors bien entendu, minuit n'est pas encore arrivé. Et on va s'allier à Luc Mbamouté, hein, c'est quand même la fête du travail quand même aujourd'hui. Donc bonne fête du travail à tous, hein, bonne fête du travail à tous, hein, sur le parquet. Et à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et on va lire le message de Luc Mbamouté, des Rockets de Houston, qui a dit « Il y a tant de bonheur dans un brin de muguet, donc je vous souhaite un joyeux 1er mai. » Et une très très bonne fête du travail. Donc voilà, j'en profite aussi avec sur le parquet. Bonne fête du travail à tous les auditeurs et à tous les panélistes sur le parquet de la radio. On va enchaîner avec les big up. On va aller du côté du Magic d'Orlando. Alors ça c'est un big up qu'on adresse à Evan Fournier, le français du Magic d'Orlando, qui, on en avait déjà parlé, hein, lui et son association ACES, hein, une association qu'il a montée avec Kerry James et Franck Ribéry, une association qui est destinée à subventionner des bourses, des pour les études, voilà. Et il y a Kerry James, hein. Kerry James qui a encore posté une info concernant son association. Hein, je termine, après tu enchaînes ici. Donc Kerry James qui précise, alors ça c'est pour les étudiants du côté de la France, vous êtes du côté de Grasse, Nice, Antibes ou Cannes ou Mandelieu, je répète, tous les étudiants titulaire du baccalauréat qui habite Grasse, Nice, Antibes, Cannes ou Mandelieu, vous avez jusqu'au 5 mai à minuit pour vous inscrire sur bourseaces@gmail.com. Je répète, bourseaces@gmail.com afin d'obtenir une bourse dans cette association ACES d'un montant de 6000 euros, on rappelle, financé par Evan Fournier, Franck Ribéry et Kerry James. Donc voilà, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot. On vous donnera l'adresse email. Sinon, vous pouvez retrouver tous les détails aussi sur le Twitter de Evan Fournier ou alors de Kerry James. Mais si vous voulez réagir sur cette... On en avait déjà parlé. Je disais juste qu'on était au... Kerry James a posté l'info, justement, ouais, pour parler de ça. Il y a énormément de jeunes qui ont déjà profité et ça continue et tout. Ouais. Parce que bon, il faut quelque part soutenir la jeunesse. Hein. Bien sûr. La jeunesse vit dans un environnement où les temps sont encore plus difficiles et donc toute action visant à soutenir la jeunesse ne peut être que bonne. C'est clair. Donc voilà pour ce message ACES, association de Kerry James, Evan Fournier et Franck Ribéry. Donc n'hésitez pas à réagir. Si vous êtes du côté de Grasse, Nice, Antibes, Cannes ou Mandelieu, je précise bien, vous avez jusqu'au 5 mai pour vous inscrire sur bourseaces@gmail.com pour obtenir cette bourse d'un montant de 6000 euros. On termine avec ce big up qu'on va adresser à ce rookie incroyablement talentueux. Vous allez deviner de qui je parle. Il s'agit de Donovan Mitchell, c'est aussi vraiment assez spécial. Je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais en tout cas, on va juste préciser pour ce big up qu'il est quand même le premier rookie à avoir réalisé 7 matchs d'affilée en playoff avec 20 points de suite. 20 points scorés de suite sur 7 matchs d'affilée. Ce n'était pas arrivé depuis 1972. À l'époque, la NBA
c'était la ABA, ce n'était pas la NBA, c'était la ABA. Et le joueur qui avait réalisé cette statistique, il s'appelle. Il y avait deux joueurs qui avaient réalisé cette statistique en playoff. Il s'agit donc trois joueurs, pardon, il s'agit de John Walsh, Julius Erving et Kareem Abdul-Jabbar. Donc ça vous classe un homme, Donovan Mitchell. C'est un joueur extrêmement spécial, hein, Missy? Oui. D'ailleurs, on a les trois rookies là, ils marchent sur l'eau, que ce soit Taylor, Ben Simmons et lui-même Donovan Mitchell. Depuis le début de saison, ces trois rookies se comportent vraiment comme des vétérans. Ouais. Encore vu hier, Jason Tatum, 29 points. Super. C'est quelqu'un qui a été en NBA pour la première fois. Ouais, c'est clair. Edoc, on suit. Edoc, est-ce que Edoc m'entend? Allô, Edoc? Moi, est-ce que tu m'entends, toi? Allô, c'est tout ça. Est-ce que Edoc m'entend? C'est tout ça. Le doc est bien connecté, mais je n'entends pas. Romain, toi, tu m'entends, non, Romain? Oui, je t'entends. J'ai coupé mon micro en attendant. Oh, ok. Mopo, comment tu réagis sur Donovan Mitchell, le temps qu'on rattrape le doc? Donovan Mitchell, c'est quand même un rookie assez spécial, non? Mopo, tu en avais déjà parlé. Ouais. Ah mais il est spécial, on a vu, ça n'a plus à démontrer, hein. On a vu sur la série contre les OKC. C'est vrai quand même que la nouvelle série qui a commencé, c'est là où on sent qu'il joue contre des vrais vétérans, tu vois un peu, non? Oui. Donc il essaie de trouver sa marque et tout, ça va pas être facile en fait, tu vois un peu, non? Oui. Parce que tu as des gars qui ont déjà traversé quand même certaines choses aujourd'hui, et qui ont toqué à cette porte longtemps, tu vois un peu, non? Oui. Même s'ils n'ont pas traversé certaines paliers où il n'y a pas la bague encore, mais... Il y a quand même ce plus-là, cette plus-value. Mais c'est déjà bien quand même qu'il essaie de prendre déjà l'initiative. Mais il va se rendre compte que c'est le deuxième tour. Ah, ce n'est pas le premier tour. Oui, c'est un autre level. Mais il continue de faire ce qu'il a à faire. C'est vrai que le suivi va venir par ses coéquipiers, gars. Donc, parce qu'à la fin de la journée, il est encore assez jeune pour pouvoir être one man team, tu vois, un peu dans le carry to the next level. So. Oui, c'est clair. Et puis, juste une chose. Vas-y. Le problème qu'il a un peu là actuellement, c'est qu'il doit gérer la main. Oui. Et ils ont perdu gros avec Ricky Rubio. Ça, on peut le dire. C'est ça que j'ai entendu. Donc, c'est ça que j'ai dit. Il peut, tu vois, si c'est un autre vétéran, tu peux gérer. On voit le bon James gérer la main. Tu vois, un peu plus, non, par moment. Oui. À la fin de la journée, ce que j'ai entendu, c'est qu'il est encore, il est immature encore. En fait. Tu vois, il est nouveau, c'est son premier bain de foule. Bien sûr. Tu vois, un peu, non? Tu as un gars comme Charles, des vrais vétérans en face de toi, des gars qui compétitent everyday. Tu vois un peu, non, que la compétition était d'ici là, tu vois, en fait, tu vois un peu, non? Ils ont compris ça. Et le coaching aussi en face a compris. Vous avez un vieux coach en face. Le coach, même seulement le match-up des coachs, là, deux sont différents, c'est deux entités. Donc, tu as les deux placés de deux côtés, en fait, tu vois un peu, non? Donc, il y a cela aussi. Donc, mais pour moi, il est bon gars. Il fait en fait ce qu'il doit faire, en fait. Tu vois un peu, non? Plutôt que de le meilleur de lui-même, c'est ce qu'il fait, en fait. Tu vois un peu, non? Donovan Mitchell, un rookie extrêmement talentueux. Comme le dit Mopo. Est-ce que le doc est là, le doc? Est-ce que je vais rester là avec le doc? Le doc qui a peut-être un souci avec sa connexion, là. On l'entend pas. Donc, on va écouter Romain. Romain? Oui, je suis là. Romain, ta petite pensée sur Donovan Mitchell avant qu'on enchaîne sur le résumé du match de la nuit. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce joueur? Est-ce qu'il t'éblouit ou même tu te dis non Oui, moi, il m'a ébloui. Je dis, moi, c'est la. Tu sais que je suis porté au Texas, donc c'est le match, la série que j'ai le plus suivi au premier tour. Ouais. Et il nous a enfumé, man. Je lui dis, gars, je ne m'attendais pas à voir un rookie à ce niveau-là. En playoff, tu vois. Vraiment, je suis agréablement surpris. Je sais que, bon, là, c'est toute une autre paire de manches qui l'attend, mais je veux dire, pour une première saison à NBA, je dis, waouh, c'est une belle révélation. Et puis, mais Romain, tu as dit que tu es à la maison, tu peux me dire la vérité, il y a tous les plafonds dans toi, tu sais, c'est beau. Non, je suis un gars, je suis à la maison. Je suis juste près de la route, en fait. On t'appelle pour le deuxième tour déjà. Allez, les amis, on enchaîne. Avec la Silicon Show, on va attaquer les résumés des matchs de la nuit. On va parler de ce game 1 du second tour des playoffs. Sixers face aux Celtics de Boston. Après, on va parler, bien entendu, des Rockets. C'était face au Jazz du Utah dans ce game 1 dans le second tour. C'est dans moins d'une minute. Restez bien. Connectez.
êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Mais quoi tu joues, mec? Au fait, ton rien, petit copain, c'est pas super souris. Non, Billy. Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. Mais non, arrête. C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zorro des Blacks? Et on se tire ailleurs, voilà. Non, sérieux. Et ton crâne rasé, j'ai un portable dans la bouche. C'est con qu'à l'hôpital, on soigne pas ces types-là. À l'hôpital? À l'hôpital! J'en connais un pour ta lobotomie, gros cul de poil balan rouquet! Je vais te remettre! Toi et ta mouche à mer blanche, retournez de ma part au pays imaginaire! Et dites à Peter Pan qu'il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet! Mais t'es dingue! Vous êtes des pédés, de pédés! Mais qu'est-ce que tu branles? Je sais ce que je fais, je fais deux choses! Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier, ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal! Non, t'es con et tu m'embarrasses, voilà ce que tu fais! Ouais, ça c'est la deuxième chose! Vous êtes bien sur Radio Off Parquet! La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Des pilotes, mesdames et messieurs, ces matchs qui nous ont fait crier, ces matchs qui nous ont fait hurler, ces matchs qui nous ont fait grincer des dents. Allez, on va enchaîner, on va attaquer avec notre compatriote Joel Embiid. Joel Embiid, le succès de Philadelphie qui attaque dans le second tour des playoffs face aux Celtics de Boston. Et avant d'enchaîner avec le résumé, on va quand même rappeler, je l'ai précisé quand même une fois, je ne sais pas vous en souvenez, les Celtics de Boston qui sont cette équipe, hein, qui ont, c'est l'équipe qui a donné le plus de fil à hauteur quand même aux Sixers de Philadelphie durant la saison régulière. On rappelle que Joel Embiid, c'est l'équipe aussi contre laquelle Jojo a le plus de mal à scorer, même si sur ce match, il s'en est quand même donné à cœur joie. Ça n'a pas été facile. Victoire des Celtics de Boston, 117 à 101 pour parfaitement lancer leur série en étant performant en attaque. Boston qui a chuté à 48%, donc un superbe 17 sur 35 au tir pour 27 passes décisives et seulement 10 ballons perdus. On rajoute, on rappelle que l'équipe de Brad Stevens s'est appuyée sur un énorme Terry Rozier qui a été énormissime sur ce match. 29 points, record en carrière pour le petit Rozier. 11 sur 18 au tir, 8 rebonds, 6 passes. Alors pour l'été à 26 points, 10 sur 12 au tir, 7 rebonds, 4 passes décisives. Et Jason Tatum, Missy en a parlé tout à l'heure, 28 points pour le rookie, Jason Tatum, 8 sur 13 au tir, record en carrière, et surtout en sortie de banc, Marcus Morris qui a été précieux avec 11 points, 5 rebonds, alors que Marcus Smart, titularisé à l'absence de Jaylen Brown, a signé 9 points et 9 passes avec un petit 3 sur 12. En face, les Sixers ont eu vraiment du mal en défense et ils n'ont pas eu la même réussite. Joel Embiid a pourtant planté 31 points, 12 sur 21 en plus, et 13 rebonds et 5 passes. DJ Redick était à 20 points. Ben Simon, 18 points, mais il faut quand même rappeler 7 ballons perdus. On va faire la passe à Missy. Missy, comment est-ce que oui. tu juges ce 30 ans en matière des Celtics de Boston et des Sixers? Les Celtics, ils ont déjà tout perdu. Quand vous perdez 3 joueurs de votre 5, vous n'avez plus rien à espérer. Mais les Celtics, ils ont déployé une autre énergie qui est celle du cœur et de la résilience. Oui. Qui est celle du fait que quand je donne, ils se font confiance. Oui. Je donne un ballon à mon coéquipier, il faut que je le mette dans les meilleures conditions. J'ai pas peur de donner un ballon à Terry Rozier parce que je me dis que je lui fais confiance pour que ça tombe dedans. Et effectivement, ça tombe dedans. Alors, ce qui a posé problème, on a bien dit que les Celtics, c'est l'adresse des Celtics qui était très bon. Ouais. Mais comment dit-on, le basket est un sport chorégraphié, c'est une chorégraphie en fait. Il faut prendre les tirs dans un fauteuil. Or, ce qui a tué les Sixers hier, c'est leur défense. Les Celtics, Terry Rozier, je crois qu'il fait 7 sur 9 à 3 points.
Ouais, il était pas mal. Vas-y, sur 7 sur 9 à 3 points, il a pris beaucoup de tirs dans lesquels il n'y avait pas de vis-à-vis. C'est-à-dire, il a pris un tir dans un fauteuil. Énormément, les Celtics ont fait ça. Et c'est défensivement, maintenant, qu'on a vu les Celtics. Parce que on parle beaucoup des Warriors et autres. On n'a pas énormément prêté attention à ça. En saison régulière, les Celtics étaient plutôt bons défensivement. Ce qu'ils ont fait hier, c'est qu'ils ont empêché, pour assez bien protéger la ligne à 3 points, switcher tout sur tout. Ils ont fait beaucoup de dissuasion pour empêcher les tirs à longue distance. Ilyasova, Bellinelli ont énormément souffert. Par contre, il y a bien quelqu'un, et ça ne date pas d'hier, qui ne met plus un pied devant l'autre, c'est Covington. C'est compliqué pour Covington. Je sais pas s'il prend la mesure vraiment de l'enjeu. Maintenant, le problème, c'est que Joel Embiid, il est assez dissuasif et très très bon défensivement. Ouais. Il ne pourra pas tout faire. Il faut les relais. Parce que moi, j'ai suivi sa conférence de presse. Et sur la conférence de presse, un journaliste lui a légèrement rappelé qu'il a été bon, 31 points. Il a dit, mais on a perdu. Il n'a pas voulu non plus enfoncer ses coéquipiers. Mais il a dit, on doit être nos compétiteurs pour faire. Eux, ils disent, ils ont fait hier leur pire match depuis bientôt maintenant plus d'un mois. Oui. Mais le problème, c'est que face à une équipe de Celtics, en plus, Jalen Brown, il s'est blessé. Bref, journaliste a cru bon de dire, ah ben il va revenir. Brad Stevens, il prendra aucun risque. Il y a peu de chance pour Jalen Brown tant qu'il gagne. Maintenant, je pense que les Sixers sont sur le mauvais match-up. La seule chose qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, c'est 1-0, mais il reste 3. Conclue, en dernier lieu, Joel Embiid est extrêmement bon. Et les Celtics, en fait, ils n'envisagent pas de l'attaquer. Ils envisagent de se concentrer sur le reste. De ce que j'ai vu de Joel Embiid hier, ça rappelle étrangement quelqu'un qui est l'un de mes joueurs favoris que j'ai toujours beaucoup adoré, c'est Hakeem Olajuwon. Voilà. Je vais faire un statement qui va surprendre ici. Tu vois, c'est ce qui est mauvais en fait. Quand l'enfant a 15 suivants, on dit qu'il est fort. Il n'est pas fort. On dit qu'on envoie l'enfant à l'école, c'est pour qu'il ait 20, c'est 20. Il n'est pas pour avoir 15, c'est 20. Qui se rapproche de l'excellence de plus en plus. Joel Embiid a fait un match, mais ce n'était pas un match à 100%. Il était bon, mais ce n'était pas aussi bon ici. Parce que je veux te parler un truc, je veux te prendre un exemple. Je n'ai pas dit troisième troisième quart temps, Joel Embiid pas jeter un ballon, il ne rentre pas en défense. C'est très mauvais. Le meilleur joueur de l'équipe. Autre moment, Joel Embiid a un joueur, Marcus Mars, sur lui. Il se retourne, il fait le fadeaway, un chat-pied, très mauvais. Avec les enseignements qu'il a gérés, précise, et tu le sais toi-même très bien, tu l'as vu, je sais que tu dis chaque jour. Joel Embiid à l'intérieur, il est inarrêtable en NBA, on le sait. Et à la fin de la journée, justement, où il a pêché, c'est le fait, comme on s'est dit qu'il était bon hier, c'est de rester. Comme je précisais la semaine passée, c'était un très bon match pour eux parce qu'en fait, quand Joel Embiid voit une équipe qui a des gars courts, il va chercher à tirer à 3. Et hier, il faut se rendre compte, il a marqué des paniers, mais ce n'était pas tous ses tirs qui entraient. Parce qu'en fait, il avait des tirs lazy. Il ne faisait pas son motion. Parce qu'en fait, un joueur de basket a les motions. Regarde un joueur comme Tatum. Quand il prend le ballon, quand il te size up, quand il fait son jab step, tu vois la pression dans le corps. C'est pour pouvoir créer et savoir le mouvement du joueur, la position. Et maintenant, quand tu fais ça, en même temps, ça t'aide à prendre ton arc de tir pour la position de tir. Tu vois un peu, non? Joel Embiid s'est retrouvé en faisant les fadeaway, gars. Tu es 7 foot, 3, 4, 5. Il fait le fadeaway, gars. Bang, 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 tu veux, in, lay off, 1-1. Tu veux dire qu'il faisait des gestes inutiles, alors? Ce que tu veux dire? Il avait pas. Non, il avait dit pas.
Non, pas trop des jets inutiles. Il y avait des moments où il prenait des tirs dont tu n'avais pas besoin. Oui, certains tirs, il avait des tirs qui étaient inutiles. En fait, déjà, tu fais le fait de aussi. Oui, tu fais des tirs sur un gars qui a peut-être 20 cm à moins que toi. Non, impossible. Tu le ramènes à l'intérieur, tu fais ton 1-1. Tu veux impléter, non? Regarde Ben Simon, ça a compris que son tir ne passe pas. Ben Simon est assez inutile. Ben Simon passe le bon même devant là, non? Hier, tu as vu, il a voulu faire une passe à jouer l'Embiid, aller là, jeter le ballon carrément, l'autre côté s'est sorti. Tu vois un peu, non? Et là, plus haut, la 6 Corée, il revenait à 7 ou 6 points. Tu vois un peu le truc? Il y a eu tellement de petits momentum qui les a tués, ça a cassé le cerveau. Et c'est là où tu as vu, ils ont commencé justement au milieu du troisième quart-temps, le cerveau est descendu. Un temps, ils sont revenus de 8 points. Et à la fois, a pris un tir en tête des raquettes. Parce que qui? Joel Embiid a fait l'erreur au niveau du switch. Tu vois un peu? Parce qu'en fait, c'est qu'on ne comprenait pas. Bref, si vous avez compris qu'il faut jeter plusieurs offenses et plusieurs défenses aux Sixers, tu vois un peu, non? Regarde, Banks avait la consigne de pousser Joel Embiid vers l'extérieur parce qu'il a compris qu'il ne peut pas garder dans Joel Embiid. Et on a précisé, Joel Embiid, c'est un gars qui peut tirer à toi. Tu sais ce qui s'est passé? Quand Joel Embiid fait le pont, fait, il ne sautait pas. Parce qu'il dit que si tu veux, tu tires ça, rentre et entrer. Et justement, Joel Embiid devenait lazy parce qu'il s'était dit que donc, ok, c'est comme les entraînements, juste moi, prends le tir, ça va entrer. Pour un moment, il avait des tirs qui entraient. Pour un moment, il avait des tirs qui n'entraient pas. Et ce que j'ai précisé, s'il joue comme il a joué avec la série, qu'il jouait contre Hassan Whiteside, qu'il punit les gars à l'intérieur. Hein? Mais ça, c'est une plus-value. Et en même temps, le retour défensif, la transition en défense, on sait que Joel Embiid va peiner. C'est là où Brad Stevenson joue dessus. Parce qu'en fait, transition offense, c'est un big key piece pour les Celtics et c'est un mauvais key piece pour les Spurs, pour les Sixers. Parce qu'en fait, on sait que Joel Embiid est big. Et son retour en défense est là. Ce n'est que normal pour chaque big man. Donc maintenant, ça veut dire que le joueur qui pique ton Rosier ou Tatum ou l'autre gars ou peut-être Sean Larkin, Larkin est entré comme un petit qui pisse. Il a changé un peu. Il a écrit quelques tirs qui ont aidé à tuer le momentum des Sixers. Et justement, il y a des moments où on a ce qu'on appelle le true or dare. Ça veut dire que a dare you to shoot the ball. Ça, c'est impossible. Pour un gars qui est en NBA, qui est un point guard, même s'il est pied, il va quand même marquer un tir. Souvent, on voit le gars qui est maintenant chez Golden State, le gars qui joue au Lakers, on l'appelle qui c'est P, c'est Scottie P ou c'est qui là le noir là. À Golden State. Non, le gars qui est venu, on l'appelle comment Missy, celui qui vient des Lakers là. Celui qui a eu le problème avec sa petite amie à cause du petit fresh mais là une année. C'est Scottie P ou c'est qui machin P là. Bon, vas-y, enchaîne, c'est pas grave, on va le retrouver. Oui, bref, le gars de Ville, tu vois un peu, il y a ce qu'on appelle les streaky shooters, les gars qui vont pas te marquer 5 tirs d'affilée, mais le moment où ça passe, c'est un peu comme les J.R. Smith, ce sont les streaky shooters. Tu vois un peu, et hier, un gars comme Sean Larkin qui a un ballon en tête de raquette, il fait comme ça, personne ne vient de défendre. Il tire ça, hein, c'est n'est que normal, ça va casser le moral, gars. Parce qu'en fait, le basketball, c'est un sport où on appelle ce qu'on appelle les spurs en anglais. Ça veut dire, you make your run, I make my run. Ça veut dire que tu marques 20 points sur moi, je vais marquer 10 points, je coupe de 10 points. Et hier, ce qui s'est passé, Joel Embiid scorait 2 points, Celtics scorait 5 points. Joel Embiid score 2 points, Celtics score 6 points. Ben Simmons score 4 points, les Celtics score 8 points. Impossible de gagner un match pareil parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autre rapport. Pas tu vois un peu, non? Donc c'est pour ça que je dis à Messi, pour moi, le mandat, je veux donner un 50-50 à Joel Embiid parce qu'il peut faire. C'est ce que je veux dire. Alors écoutez, je vais la réponse de Messi, après on va écouter Romain et le Doc aussi. Vas-y, ouais. Messi. Ce que je dis, il y a surtout que les Celtics ont pris des tirs sans vis-à-vis, sans aucune contestation. Et puis. Comme on dit toujours, you died, you live you, by the three, shoot. You, by three, you die by three. You, you, you live you by live your shoot, you die by your shoot. Wait. Voilà. You die by your shoot too. Wait. Ouais. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand tu vois ça, ça veut dire que à un moment donné, la mode est venue que les Warriors, s'ils prennent les tirs à 3 points, ça tombe dedans. Tout le monde veut imiter les Warriors. Le problème pour imiter les Warriors, c'est que les Warriors ne prennent pas les tirs au hasard. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas, les autres équipes. Les Warriors sont une équipe très précise. Si on est dans cette zone, on sait exactement qui prend le tir dans cette zone. Ça ne se fait pas comme ça. Mais le problème des Sixers, et le problème même, quand vous prenez un tir à 8 mètres, quand ils ne tombent pas dedans, c'est pas vous qui avez le rebond. Parce que vous n'êtes pas dans le périmètre. Que les Celtics ont bien marché et ont bien pratiqué hier, c'est du basket de dissuasion. Les gens oublient toujours qu'il faut dissuader les gens. Il faut pas systématiquement recourir à la faute. T'as pas besoin. Quand tu dissuades quelqu'un, son tir, il peut le rater. Et c'est ça que
ont fait. C'est ça qu'ils ont fait. Alors, on va enchaîner avec les commentaires. Je vérifie ma liaison avec le doc depuis. Le doc, est-ce que tu es là? Allô, le doc? Le doc n'est pas là? Bon, le doc n'est pas là. Je ne sais pas ce qui se passe avec la connexion du doc OnP. Romain, est-ce que tu m'entends, Romain? Oui, je suis là. Alors, Romain, qu'est-ce que tu dis alors sur ce game 1 des Sixers face aux Celtics de Philadelphie? Est-ce que tu as... Je suis là, Phil. Excusez-moi, c'est le micro, en fait, qui est découpé. Ah, le doc OnP qui est enfin là. Alors, Romain, attends, le doc oui. Non, je laisse Romain d'abord parler. Ok, bon, moi, j'ai pas regardé le match, mais je vous ai écouté attentivement parler. Ouais. Et en vous écoutant parler, je ne cache pas mon inquiétude parce que, effectivement, les Sixers sont aussi mal en point collectivement et surtout défensivement contre contre Boston, ça va être chaud. Ça va être vraiment chaud. Je ne vais pas être capable d'appuyer sur Joel et puis sur Simmons aussi longtemps pendant 4 matchs ou alors plus. Avec un niveau de performance élevé comme ça là et gagner 2 matchs, 3 matchs, ouais. Ça va être compliqué. Maintenant, comment est-ce que tu vois l'issue de cette série, Romain, à chaud comme ça? Ça va être chaud, hein? Je pense au match contre Miami, le match 2, tu vois, qu'ils ont perdu à domicile, tu vois, c'est vrai qu'il est venu au match 3. Ouais. Mais je pense que cette équipe est capable de se réveiller, en fait. Je vois qu'ils sont capables de ça et puis de jouer mieux. De jouer mieux longtemps, tu vois. Je pense qu'ils sont capables de le faire. Ouais. Et moi, je compte aussi sur le fait que les Sixers, malgré le fait qu'ils jouent à l'âme, ils jouent avec leur âme, avec leur esprit, ils jouent plus avec leur corps. Parce que les matchs que j'ai vus, c'est vraiment comme la dame l'a dit tout à l'heure. C'est des gars qui jouent avec leur esprit et à un moment ça va payer quand même parce que 7 matchs au premier tour contre des gars qui ont joué 5 matchs seulement, ça va se ressentir à un moment, donc c'est pas joué tout à fait, c'est pas tout à fait. Donc il y a de la place. Ouais, il y a de la place. En tout cas, moi je suis d'accord avec vous, je pense que les Sixers peuvent remonter la porte. On va écouter le doc. Bon, tu veux dire une chose dans l'équipe de doc ou tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose à Romain, c'est le nombre de matchs à ce niveau-là, ça c'est encore tôt, tu vois, ce sont des professionnels. Donc t'inquiète pas parce que les Sixers ont joué moins de matchs ou bien que les Celtics ont joué plus de matchs, ça n'impacte pas là-dedans. Une chose qui va changer, qu'on va parler, c'est la défense. Donc le coach des Sixers se réveille, qu'il oublie que ce sont ses premiers playoffs pour Nani Nana en tant que head coach et qu'il commence à jouer parce que c'est un coach qui donne quelque chose à jouer en fait. Ouais. Alors écoutons la réaction du Doc OnP, après on va enchaîner. Le Doc qui va avoir une réaction en deux parties. On va enchaîner avec la deuxième partie de ce talk show dans moins de 7 minutes. Le Doc OnP. Le Doc. Oui. Vas-y, enchaîne sur ce premier match de ce soir. J'ai écouté ce que les collègues ont un peu dit. Ouais. Des points où je suis d'accord, des points où je ne suis pas d'accord du tout. Notamment, bon, Joel Embiid. Il y a une grosse défense sur Joel Embiid. Hein. Je ne sais même pas si. L'avantage des Celtics, je l'ai dit dans la saison, est encore. Les Sixers ont la chance que Monroe ne tourne pas. Sinon, voilà un nouveau joueur qui va venir marteler. Joel s'est tapé tour à tour Baines. Dès que Baines sort, il y a un autre joueur qui vient sur lui. Ils ont tous switché sur lui quand ils peuvent, mais ils n'ont pas pu. Mais ils ont défendu. Hein. C'est pas qu'ils ont, marquer. Ils n'ont jamais laissé le mec marquer. Il a même dû, je pense que au niveau temps de jeu, j'avais même peur pour lui. Vers la fin, vous voyez, quand il essaye d'entrer comme Mopo, lui devrait de faire, il perdait le ballon tout seul. C'était un signe de fatigue. Parce qu'à un moment donné, il a compris que ce match va reposer sur lui. Il appelait tous les ballons sur le côté. Il jouait, c'est un contre un où il ressortait. Mais pour traverser Baines, c'était pas évident. Baines, c'est un mur. Mais il bousculait, il faisait ce qu'il pouvait. À un moment donné, quand ça va pas, tu te retournes dans un fadeaway. Ou quand tu es fatigué, le truc facile pour toi, c'est de tenter un tir. On le sait bien en basket, à un moment donné, quand tu tentes le tir, c'est que tu dis, bon, j'ai pas envie d'aller travailler. Mais ça, c'était de la fatigue. Et pour moi, j'ai. Certes, les match-ups sont durs, mais j'oublie pas un truc, c'est que, comme le disait Antoine Walker, c'est un premier match où ils sont passés à côté.
Jamais de la vie, Boston peut mettre tous les jours 115. Il devait mettre 120 points hier. C'est l'inverse. Jamais de la vie, Boston peut mettre 100 points à tous les matchs. C'est vrai que les Sixers ne savent pas défendre, mais toute la NBA, comme Kobe le disait, ils n'ont pas les bases. Aux États-Unis, ils n'ont pas les bases. Il a dit, les jeunes ont un modèle de « je suis fort individuellement, un contre un, c'est moi qui dois être la star ». Ils n'ont pas les bases défensives. Je l'ai dit pour les Pacers l'autre jour, je le dis hier, j'ai vu encore la défense des Sixers. Ils ne savent pas en NBA défendre sur du pick and roll basique. C'est vrai. Ils ne savent pas, rien que le switch. En tout cas, ceux qui n'ont pas fait l'université, alors c'est pire pour eux. C'est une catastrophe totalement. Mais les Sixers, je compare un peu à la Nouvelle-Orléans. Ce sont des équipes qui, offensivement, ont, quand ils marquent plus que vous, ils gagnent. Mais le jour où ils ne marquent pas, missile à l'étudier, tu meurs par ton tir. Comme ils ne savent pas défendre, on voit les tares qu'ils ont. On voit tout comme ils ne savent pas défendre. Et là, Boston a eu la... Franchement, le truc offensif de Boston, dire ça arrivera pas tout le temps, Terry, ou un truc. Mais la défense de Boston, de Boston, je m'y attendais par contre, même si j'avoue que Covington, des tirs ouverts, il en a, lui, c'est un jour 100. J'ai pas envie de dire qu'il y a eu une bonne défense. C'est un jour 100, totalement 100. Il n'est pas le seul, Bellinelli. Il y a eu des tirs ouverts, mais c'est comme un engrenage, hein, Phil. Quand rien ne va, mentalement, même celui qui est seul tire le ballon n'entre pas. C'est pour ça que je ne veux pas les accabler. Je me dis, ils ont raté le game 1. Genre, je vois déjà certains qui voient Boston passer. Ah non, ils ont raté le game 1. Ouais. Par contre, je pense qu'ils ne seront pas autant maladroits toute la série. Mais moi, je suis juste inquiet défensivement pour eux. Parce que quand une équipe comme les Celtics te met près de 120 points, c'est que vraiment, c'est pas leur tradition ça. Vraiment, tu en play-off en plus. Mais c'est que là, vraiment, tu ne sais pas défendre. Et moi, pour dire un truc vrai, ils ont capté que sur le pick and roll, quand ils font descendre Jojo, ils ne switchent pas, ou bien les deux suivent le porteur de balle et le malheureusement, Horford tire à 3 points, Baines tire à 3 points, donc Jojo qui suit. Le meneur, au lieu de demander le switch, son pivot reste tiré à 3 points. Il a pris 3 paniers de Horford hier à 3 points. Baines lui en a mis 2 à 3 points. Markif, donc, à un moment donné, leur coach doit leur apprendre à défendre s'ils veulent arriver meilleur défense. Ouais, sinon, c'est vrai. Alors, Zopenby, tu vas rester là-dessus. Hein. On va attaquer avec la deuxième partie de ce talk show. On rappelle à nos fidèles auditeurs, nous sommes en direct live. On va attaquer la deuxième partie de cette émission. Donc, n'hésitez pas à relancer votre application. N'hésitez pas à relancer le site internet pour vous écouter le talk show. On va continuer avec le Doc One P. Le Doc One P, on va revoir un peu la défense des Sixers. Essayer de voir comment les Sixers peuvent essayer de se relancer au niveau de leur défense. Après, on va attaquer avec Mopo, Missy et Romain. C'est en moins d'une minute. Restez bien connectés. A tout de suite, les amis. Off, Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophones à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net.